quel moment vous avez pu observer les premiers signes de ce SPT qui nous réunit aujourd'hui? Alors nous, c'était du coup il y a 3 ans et demi, 4 ans. C'était, enfin, il n'y avait pas de mots. C'était juste un changement de comportement, on va dire. Donc c'était au retour de son premier Mali, parce qu'il en a fait 2 du coup consécutifs. C'était pas, il n'y avait pas de mots. C'était juste un changement de comportement. Il était comment? Il était plus stressé, plus en colère, plus tendu. Il expliquait, il mettait des mots? Au retour du premier Mali, pas du tout. Non. Il se refusait complètement. Il acceptait. Enfin, mais ça, on l'a su après. Mais enfin. En fait, lui, comme il n'a pas été blessé physiquement, il n'acceptait pas d'être blessé autrement. Et pour lui, il n'avait pas le droit. Bah, pas le droit d'être... Ouais, la culpabilité du survivant, quoi. Exactement. Et puis le manque aussi de reconnaissance et d'identification. Alors, il y en a qui cumulent les deux. Ils ont la blessure physique et psychique. Mais quand on n'a que le physique et le que est mal choisi, oui, c'est très, très difficile de l'identifier, de le reconnaître et que l'encadrement aussi puisse le repérer. Personne n'a rien vu parce que c'est assez récent tout ça. On voit qu'il y a plus de choses et plus d'accompagnement aujourd'hui. Personne dans le corps de l'armée n'a pu voir la détresse de Quentin? Alors, au premier Mali, non. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti quand Il est reparti en octobre 2021 et est revenu en février 2022. Et là, il est rentré, ça n'était plus le même homme? Non. Non. Tout avait changé? Ouais. De quelle manière? Il était... Déjà, il ne dormait plus du tout depuis plusieurs semaines. Mais plus du tout. C'était le moindre bruit, le moindre stress. Enfin, il toujours angoissé sur le qui-vive. Il vivait plus, quoi. Il était très stressé. Ouais. Il mangeait plus trop non plus. Des difficultés à se nourrir. Entre le moment où il rentre et au moment où il fait sa première tentative de suicide, il s'est passé que quelques jours. Enfin, Ah oui, c'était immédiat. Ouais, c'était pas loin d'être immédiat. Ouais. C'est en fait entre le temps où il me dit je dors plus, j'ai du mal. Mais on nous dit en fait dans les premiers jours, c'est le temps que le stress redescende, que la tension redescende, qu'on reprenne une vie, quoi. Sauf que lui, finalement, il a basculé tout de suite après. Qu'en fait, oui, il n'y a pas eu de décompression. Il a disjoncté, il voulait dormir. Il a pris des médicaments? Non, il a essayé de se suicider avec une arme qu'on avait à la maison. Est-ce qu'après, il a été pris en charge? Il a fait donc une nuit au CHU en psychiatrie. Une nuit. Il est rentré le lendemain. Ouais. Il a été en arrêt un mois. Avec accompagné de médicaments pour plus faire de cauchemars et dormir, mais bon ça assomme, hein. C'est plus les mêmes, hein. On a plus de vie, enfin il a plus de vie, on a plus de vie, enfin c'est pas lui, c'est pas donc même lui ça lui convenait pas, il voulait les arrêter, c'était pas, il se reconnaissait pas, je pense. Il a eu une séance de psychologue, avec une psychologue de l'armée. Il est allé voir donc le médecin militaire avec qui que je suis allée voir également. Mais il y a... Oui, c'était bien un syndrome de post-traumatique, mais que ça arrivait. On vous a formulé ce mot, on vous a parlé de ce SPT. Déjà au CHU en psychiatrie. Dit, oui. Ensuite... le personnel de l'armée est venu aussi à la maison suite à ça, parce que c'était quand même un gros déploiement. Une tentative de suicide avec une arme, un militaire qui rentre de mission, il y a eu un gros déploiement de gendarmerie, tout ça. Et donc c'est du personnel de l'armée est venu aussi à la maison. Ils nous ont dit que c'était dû à ça, que ça arrivait, qu'il y en avait beaucoup. Que j'étais pas la première.
Ça vous a rassuré de mettre un mot et de comprendre ce qui arrivait à Quentin ? Ben, le mot, en fait, c'est comme si je connaissais déjà ce qui arrivait. Enfin, c'était la suite logique de ce que j'ai, de ce que j'avais cru comprendre en fait les dernières années. Enfin, les deux dernières années, ça, c'était juste la conclusion de ce que vous saviez déjà. Ouais. Mais à partir du moment où on vous a dit ces mots, à partir du moment où on est venu chez vous, il n'y a pas eu un suivi derrière particulier. Non. Et lui, il n'a pas eu, il n'a pas pris l'initiative de ça. Non, il l'a pris parce que c'est pas que j'ai posé un ultimatum, mais je lui ai dit on va pas tout perdre. Enfin, tu peux pas tout perdre. Donc le deal entre guillemets, c'était tu suis aussi parce que du coup j'avais vu sur les conseils de mon médecin traitant, j'avais vu une psychologue spécialisée dans le DMR. Sur les traumatismes, parce que du coup, moi, j'avais vécu ce traumatisme avec l'arme. Enfin, bah oui, c'était une nuit très longue, ça a été très compliqué. Et donc, du coup, je lui ai dit, il faut que tu la vois. Elle est... Je ne dis pas qu'elle va faire des miracles, mais ne serait-ce que c'est un premier pas. Essayez. Voilà, essayez. Je lui ai dit, ça ne coûte rien, on essaye. Il a été la voir ? Il a été la voir. Mais donc, il a été la voir une fois, où il en est ressorti, où il était... très contente de cette séance, mais c'était en septembre. Septembre, les séances sont espacées d'un mois. Et alors, Quentin, Quentin, s'il ne me donne pas les rendez-vous, si on ne les note pas quelque part, ben, il les oublie ou il n'y va pas. Donc la deuxième séance en octobre, il ne l'a pas fait. Et il est décédé le 10 novembre. Donc ça a été... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'entre mars et novembre, c'est comme si on avait claqué des doigts et que j'ai... comme si j'avais rien eu le temps de faire. Et en même temps, je ne savais pas quoi faire, finalement. Ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Hein. Non, il a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Comment vous tenez le coup, vous, aujourd'hui ? Je ne tiens pas. Bah non. Je suis sur off et j'avance. Est-ce que vous êtes suivie, vous, Élodie ? Parce que vous êtes bien là. Je continue à la voir. Ouais, c'est important, hein, je pense. Ouais. C'est primordial quand on. Ouais, ça m'aide beaucoup. Il y a un tel tourbillon, il faut se faire aider, se faire soutenir, pour travailler tout ce qui peut nous passer par la tête, la culpabilité, l'incompréhension. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument réussir à décoder. Parce qu'il y a des choses à comprendre, des choses qui resteront un peu des mystères. De la nature humaine, il y a des choses à comprendre et il y a matière à avancer. Vous vous sentez coupable ? Pourquoi ? Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, si... Bah, déjà parce que j'ai pas réussi à l'aider. Et puis il m'a envoyé un message juste avant pour que je l'appelle. J'ai pas pu l'appeler non plus. Donc j'ai fauté. Je peux me permettre ? Oui. Vous êtes coupable de strictement rien. Vous êtes coupable de strictement rien. Vous avez fait de votre mieux pour votre homme. Quand j'entends tout ce qui existe, je me dis on n'a rien fait. Il y a des choses qui existent. Après, je ne dis pas qu'on les aurait faites forcément. Je l'ai déjà pris. Vous l'avez déjà pris, je vous en donne un autre. Merci. Je ne dis pas qu'on les aurait faites forcément. J'ai pas... Je sais pas. Je sais pas ce qui. Pourquoi on en est arrivé là. Enfin, je comprends pas. Il faut donner un sens à son départ. Ce que vous venez de dire, vous venez déjà de donner un sens. On ne savait pas. Grâce à vous, il y a des gens qui vont savoir. Qu'il y a des associations qui peuvent se faire aider, ces hommes-là. Ouais. Il faut surtout que. Il faut qu'ils fassent la démarche. Enfin, faux, c'est important. Pour eux, pour les familles. Pour l'entourage, ouais. Même si on n'est pas assez fort pour les retenir. Dites pas ça. Mais c'est en soi, quand ils sont dans un trou noir, ils sont dans un trou noir. Et je l'ai compris, je le comprends. Je lui en veux même pas, en fait.
Je me dis juste que voilà, c'était sa solution à ce moment-là. Mais... Et j'aurais aimé pouvoir l'aider plus, mais en même temps, ça a été une année tellement fatigante pour lui, pour moi. D'être toujours sur le qui-vive, que ce soit lui ou moi, c'était éprouvant, ça c'est vrai. Ça va aller. En tout cas, vous n'êtes plus toute seule maintenant.